Coucou, coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi d'abord à ma chaîne YouTube. Ensuite, laisse-moi un like et surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ma crème du corps Evolidem que j'utilise déjà, ça fait 2 mois. Je suis de mon avis par rapport au produit Evolidem. C'est pas la première crème Evolidem que j'utilise. Mais je n'avais jamais en parlé. Je me suis dit aujourd'hui, je vais vous en parler de la gamme Evolidem. Et je vais vous dire un peu comment moi je l'utilise et ce qu'il faut faire selon moi et ce qu'il faut pas faire selon moi. Donc si tu es intéressé par rapport à la vidéo, je t'invite d'abord à me laisser un like si tu es gentil. Soyez quand même gentil. Hein. Et ensuite, partage pour d'autres personnes ce qui soit la vidéo. Je tiens d'abord à dire à tous ceux qui disent que j'utilise des produits éclaircissants, patati patata, je n'utilise pas les produits éclaircissants en journée. En journée, j'enrichis beaucoup ma peau. Et c'est pour cela que j'achète ce genre de crème. Moi, je l'achetais par exemple à Tecamas à 7 € le prix encore là. Et c'est la deuxième fois que j'utilise les produits Evolidem. À chaque fois que je pars à Tecamas, je vois le produit Evolidem, j'achète. Mais j'utilise aussi les Garnier, la bouteille rouge de Garnier. Vous connaissez la bouteille rouge de Garnier? Donc j'aime aussi ça. J'aime aussi le Balea avec l'acide hyaluronique qui est aussi très bien pour la peau. J'adore. Et il y a aussi Evolidem au beurre de karité, la menthe douce. Quand je trouve, j'achète toujours. Et je l'utilise parfois aussi à mon enfant aussi parce qu'il a aussi une peau très sèche sur le corps. Et comme ça, la menthe douce au beurre de karité, c'est trop bien. Donc moi, je vais vous dire comment j'utilise. Je vais vous dire un peu ce qui est écrit sur la boîte. Ils ont dit l'air corps protecteur, voilà, douceur d'amande, 0% parabène. C'est le 0% parabène là qui me plaît parce que voilà, on sait ce que la parabène apporte à la peau et en plus c'est un peu parfois cancérigène et c'est pas bien. Voilà, ils ont mis pour peau normale. Moi sur le corps, j'ai une peau normale. C'est vrai que j'utilise des produits éclaircissants. C'est vrai que je me gomme la peau. Ça va puisque ici il y a l'amande douce et le beurre de karité qui est très nourrissant pour la peau. Et voilà. Donc je vais un peu vous dire ce que l'amande douce apporte à la peau et ce que le beurre de karité aussi apporte à la peau. Ce qui est bien, c'est que c'est made in France. Bon. Les Français, ça va pas un peu les étonner, mais je vous dis un peu pourquoi il faut acheter ce lait. Parce qu'il y a du beurre de karité et l'amande douce dedans. Donc, il faut savoir que si vous avez une nuit comme celle-ci qui contient de l'huile d'amande douce, il faut savoir que votre peau sera adoucie et nourrie. Parce que l'huile d'amande douce adoucit et nourrit la peau. Et en plus, moi, je l'adore parce que l'huile d'amande douce est trop bien pour les vergetures. Surtout nous qui faisons les gens sans là. Quand tu, le matin, quand tu utilises ton huile d'amande douce, bien là, ça va adoucir tes vergetures. Voilà. Et ça prévient aussi les vergetures. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'huile d'amande douce. C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes d'utiliser beaucoup l'huile d'amande douce lorsqu'elles sont enceintes. Mais l'huile d'amande douce n'est pas conseillée pour le visage. Ce n'est pas très conseillé pour le visage. Donc, n'utilisez pas l'huile d'amande douce sur le visage de préférence. Il y a tellement de crèmes qui sont bien pour le visage. Donc, n'utilisez pas l'huile d'amande douce pour le visage. Mais sur le corps, ça nourrit le corps. Ça tonifie la peau. Ça nourrit la peau. Ça tonifie la peau. Ça adoucit la peau. Et c'est bien pour les vertus. Si tu t'éclaircis la peau le soir et en journée, ça sera aussi meilleur que toi parce que ça va venir faire en sorte que ta peau ne va pas voir apparaître les vergetures si tu utilises chaque jour ce genre de produit le matin. L'huile d'amande douce est aussi très hydratante. C'est ce qu'on cherche dans tous les yeux, surtout en journée. On a besoin de quelque chose qui va venir plus hydrater la peau en journée. Et en plus, elle protège la peau des agressions de l'extérieur. Comme pas le soleil, pas trop le soleil, mais comme le sable, le vent et tout. Parce que le soleil, vraiment, c'est les crèmes solaires qui sont les meilleures en fait. Donc, mais d'autres agressions comme la pluie et tout et tout. Donc, l'huile d'amande douce est très bien irritable, le vieillissement de la peau. C'est pour cela qu'elle aide beaucoup pour les vergetures. Parce que les vergetures aussi vieillissent la peau. Donc, c'est pour cela que lorsque je vois toujours cette crème Evolidem, je la prends parce qu'elle a de l'huile d'amande douce. Allons maintenant vers le beurre de karité. Qu'est-ce que le beurre de karité apporte à la peau? Parce que moi, j'aime pas le beurre de karité. Ça me noircit jusqu'à... On a tendance à dire que le beurre de karité noircit, mais je pense que ça te traite la peau. Lorsque la peau est sous traitement, tu noircis. Après, tu redeviens clair, en fait.
Mais moi, j'ai toujours cette tendance que le beurre de karité me rend très laite. Je ne sais pas. Mais dans cette crème, je n'ai pas de problème. Cette crème me va à merveille. Ma peau est bien, c'est scintillant. Je n'ai pas de problème à ma peau du corps. Quand je parle de cet pincement pour le corps, le cou jusqu'au pied. Voilà. Donc, je ne trouve aucun gros problème. Je l'utilise depuis, regardez jusqu'où c'est. Je pense que c'est jusqu'ici. Ici. Voilà. Donc, j'ai déjà utilisé plus de la moitié seule. Et seulement le matin, vous pouvez imaginer combien de temps ça. Peut-être que ça m'a fait même 3 mois. Je n'arrive plus à me rappeler quand est-ce que j'ai acheté, mais ça fait un peu longtemps en fait. J'ai fait. Pour vous répondre vraiment par rapport au beurre de karité, je cherche sur mon ordinateur tout à l'heure, je me suis dit ok, on sait que le beurre de karité est hydratant, on sait que le beurre de karité nourrit partout, partout, mais quelle réponse je peux vous donner d'un peu particulier, vraiment, qu'est-ce que je peux vous apporter vraiment comme de bonnes réponses, parce que tous les Africains, tous ceux qui ont la peau noire connaissent ce que le beurre de karité va faire, ça va vous donner une belle peau, nourrir la peau, voilà. Donc ici j'ai trouvé sur Google. Vous savez, vous dit que quand avant d'acheter un produit ou bien avant de critiquer, allez sur Google. Donc moi je vais vous donner la réponse de Google et je vais vous dire le fait que il y a dans cette crème le beurre de karité, si ça a les mêmes effets sur moi en fait. Excusez-moi, je perds déjà certains mots en français, comme je parle en allemand un peu presque tous les jours en journée, je commence à perdre un peu les mots français. Donc on dit 1. Le beurre de karité est un véritable soin complet pour le visage. Moi je mets pas cette crème sur le visage, donc ça là ça ne nous concerne pas. Un effet hydratant pour la peau, oui, ça hydrate la peau, voilà, ça hydrate la peau et tout. Idéal pour prévenir les vaches, ce que vous ai dit non. Non seulement dans ce lait vous avez l'huile d'amande douce et en plus vous avez le beurre de karité dedans, donc vous voyez un peu, ça vous ça multiplie les effets contre les vergetures. Lui dit c'est idéal pour prévenir les vergetures. C'est ce que j'ai constaté avec ce lait, c'est que mes vergetures s'assouplissent, ça rentre dans la peau, ça ne se voit pas trop, mais ça ne disparaît pas. Hein. Ça ne disparaît pas, mais si ça traite la peau. On dit pour venir à bout des crevasses au sein. Moi, je pense qu'on appelle crevasses au sein. Vous savez, quelque chose qui était de l'Afrique pour l'Europe. Donc, il y a un mot que je ne connais même pas en français, que même j'ai même appris en allemand. Mais il y a certains mots même en allemand, si on me demande de traduire en français, je n'arrive pas parce que d'abord je ne connaissais pas le nom en français avant d'arriver. Voilà. Un cicatrisant naturel, c'est vrai, c'est un très bon cicatrisant naturel au beurre de karité, mais entre temps, je n'ai pas eu de blessure. Voilà. Je ne sais pas si ça, le fait que ça soit ici, que c'est cicatrisant. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai. Donc, mettons ça de côté. Soin réparateur pour les peaux endommagées. Très, très vrai. C'est un soin réparateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette crème. Ça a beaucoup d'effets positifs. Efficace contre les tendinites et autres douleurs musculaires. Moi, je ne sais pas. L'autre là, je ne connais pas. Adoucit les pieds secs présentant des rugosités. Moi, je mets ça sur mes pieds et c'est vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Un après rasage efficace. Je peux dire, je me rase souvent, j'ai souvent la barbe, je me rase. Je mets le lait souvent ici, mais moi aussi la crème de visage ici. Je ne sais pas si ça viking. Est-ce que quand je me rase sur. Non, je ne mets pas ça, donc je ne sais pas. Le beurre de karité pour les irritations saisonnières, c'est vrai. Actuellement, c'est l'été, les irritations. Est-ce que j'ai eu des irritations? Bon, je ne me rappelle pas. Mais je pense que ça peut aider. Idéal pour les soins capillaires, je ne mets pas ça sur les cheveux. Excellent contre les problèmes de cuir de cheveux, donc ça concerne les cheveux. Donc vous avez un peu ce que le beurre de karité fait en général. Et je vous ai un peu dit si c'est que je ressens cela avec cette crème-ci. J'espère que je me suis fait comprendre quand même. Quoi, c'est quelle heure il est 23h30. Je suis en train de faire la vidéo. Donc, vous allez voir, je suis un peu fatiguée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je l'utilise déjà depuis 2 mois et demi ou 3 mois déjà. Ce lait-là, seulement le matin, et j'ai de très très bons résultats. Si je le vois encore, je veux l'acheter. Voilà, je suis tellement satisfaite avec ce lait corporel. Si ça peut vous aider, oui, achetez ce lait corporel. Parce que ceux qui me disent que tu utilises des produits éclairants, moi, si vous me voyez même, j'utilise plus les produits qui ne sont pas éclairants qu'éclairants. C'est juste
que les produits de sont éclaircis, mais il faut donner du peps à ta peau, il faut donner du bois, il faut que quand tu sortes sans te maquiller, tu ressembles à quelque chose. C'est ce que moi je cherche sur les produits de beauté. Donc j'utilise des produits comme cela, j'en ai beaucoup, je vais vous montrer même des savons de visage. Pour vous, il est très important que tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer, parce qu'ici c'est la vérité, ici ce n'est pas les... je ne me fais pas un genre, voilà, je suis très simple de nature. Donc, si on arrive à la fin de cette vidéo, c'est que cette petite vidéo t'a un peu plu et que tu sais un peu à quoi t'attends, tu sais ce que tu utilises, les produits Evolidem. Moi, j'utilise juste en journée, comme je te l'ai dit. Et ça a des très bons effets sur ma peau, je l'adore. Si tu as possibilité de trouver, d'utiliser, pourquoi pas utiliser sans problème, ça sera trop bien pour ma peau. Moi, ça me donne une peau douce, bien nourrie et tout. C'est ça que quand j'utilise les produits éclaircissants le soir, je n'ai pas peur, parce que je sais qu'en journée, j'ai déjà utilisé quelque chose de très nourrissant. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, TikTok. Actuellement, je suis un peu beaucoup plus sur YouTube, parce que quand tu vois l'argent, parce que moi je simplifie pas l'argent, même si c'est 1 euro, je simplifie. Même si ma chaîne est petite comme ça, ma chaîne fait des plus petites chaînes, fait partie des plus petites chaînes YouTube. Un jour, on va être des grandes personnes, je ne perds pas espoir et j'ai besoin de vous pour vivre cette aventure YouTube. Donc, vous passez un très bon début de semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche soir, demain, c'est lundi, à 23h45, je suis encore debout. Et à 5h, je dois me lever pour aller au boulot. Et ça m'a dit. Donc, bye!